J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo de mes produits terminés du fin janvier. Voilà, la deux dernières semaines, je pense. Il n'y a pas grand chose, donc je vous ferai vraiment une petite vidéo. Je suis en train de tourner avec le téléphone de mon papa. Voilà, étant au travail, je me suis dit je vais lui prendre vite fait son téléphone pour faire 2-3 vidéos. Voilà, je mettrai peut-être pour la prochaine vidéo le rond de lumière pour que vous puissiez avoir une meilleure lumière, ou même maintenant, parce que du coup j'ai le rond de lumière à côté de moi, je vois vous faire ça. Le son est un peu mieux, même carrément mieux que mes deux téléphones à la noix. Voilà. Attendez. Donc la vidéo va être mieux, le rendu va être mieux. Voilà, je mets un peu de lumière, vous allez être mieux, vous allez mieux voir les produits. Ça sera mieux, le son est mieux, voilà. Donc vu qu'il travaille aujourd'hui, demain, je vais pouvoir filmer 2-3 vidéos, même des vidéos en avance. Comme ça, voili voilou. En plus, j'ai la box, la Blissim ou la Glossy Box du mois dernier. Et la Blissim ou la Glossy Box de ce mois-ci. Je sais plus laquelle est laquelle. Je crois que la Glossy Box, c'est celle du mois dernier. Et la Blissim, c'est celle de ce mois-ci. Bref, on verra tout ça, je filmerai tout ça. Pour l'instant, on est au niveau des produits terminés. Donc je vais vous montrer tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous dire à chaque fois si je rachète ou pas, etc., etc. Donc on a Vichy, donc ceci en 50 minutes, je l'ai eu sur Blissim, 2 fois moins cher. Donc c'est le Minéral 89 fortifiant et booster, donc c'est de la marque Vichy Laboratoire en 50 minutes. Moi j'utilise comme sérum plutôt bien. Par contre, il y a juste un petit bémol, je pense qu'il va partir assez vite parce qu'il faut mettre quand même deux boom sheets pour pouvoir bien vous faire tout le visage. Et ça hydrate extrêmement bien le visage, donc voilà. Je pense que juste le seul petit bémol, c'est qu'il va partir vite. Je suis en train de l'utiliser en ce moment et franchement, il est bien. Donc je vous donnerai évidemment mon point de vue, enfin mon avis définitif à la fin, quand j'aurai terminé le produit, tout simplement. Ensuite, j'ai 3 gels douche. Donc le premier gel douche de chez Yves Rocher, donc Grenade et Belle Rose en 200 ml. Ça, je l'ai utilisé avec mon copain, donc quand on est deux, ça part assez vite. Mais du coup, moi toute seule, vous verrez, je n'en ai pas utilisé autant que ça. Donc voilà, donc Grenade et Belle Rose, plutôt sympa. J'ai plutôt bien aimé ce gel douche-là, on adore, ça mousse très bien. Ça sent très bon, l'odeur reste sur la peau, donc franchement, celui-ci, je peux que vous le... Je peux que vous le recommander. Ensuite, de chez The Body Shop en 50 minutes. Donc, les fameux petits gels douche que mon frère m'avait offert à Noël pour que je puisse tester. Donc, de chez eux. Donc là, c'est le Moringa. J'ai bien aimé l'utiliser. Mais personnellement, je ne vais pas le racheter parce que l'odeur est trop écœurante pour moi. Ça m'a fait entre 2 à 3 gels douche. Enfin, 2 à 3 douches, donc plutôt pas mal. À racheter, oui, pourquoi pas, mais une autre fragrance. Ensuite, un autre gel douche qui est comme ceci, donc c'est la marque Ushuaia, donc c'est le Vitalis à la pulpe de grenade, donc ça sent trop trop bon. C'est en 250 ml. Franchement, je le rachète que de temps en temps parce que les Ushuaia sont quand même assez chers, ils doivent coûter 2-3 balles le truc. Donc voilà, sinon je le prends en promo, mais je n'hésite pas à acheter des Ushuaia de temps en temps. Donc voilà, donc ça franchement c'est une valeur sûre. Ensuite j'ai deux côtés médicaments, j'ai 2-3 trucs que je jette. Donc je jette le Vitasrobol, le truc de vitamine. Donc c'est des petits trucs comme ça à mettre dans l'eau. Il en reste que 3, mais je les jette parce qu'ils sont... plus bon depuis le 1er janvier 2021. Ne vous inquiétez pas, on n'en a pas mangé entre temps. Enfin, on n'en a pas bu entre temps. Que je ne rachèterai pas parce que je préfère les gummies que ça. Voilà. Et ensuite, je dois jeter ça aussi parce que c'était... C'est bon jusqu'au... Oh bah non, je suis con. Alors, je sais pas. C'est soit le 8-03-2025 ici, et ici il y a marqué le 21-2021-09. Donc je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires, mais donc dans le doute, vu qu'il y a marqué 21-09-2021, je le jette. Voilà. De toute façon, j'en ai un autre, j'en ai racheté un autre vu que j'ai encore le nez bien pris. J'en ai racheté un autre, donc voilà, c'est pas bien grave.
Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, la vidéo produit terminé d'avant, je vous ai montré le packaging. Donc, je crois que je venais juste de l'ouvrir. Et là, je l'ai terminé en... Je sais pas si ça m'a duré un mois, ce truc. Je sais pas du tout si ça m'a duré un mois. Mais à la fin, j'en mettais beaucoup plus qu'il m'en fallait. Parce que ça, j'ai pas trop aimé ce produit-là. Je ne sais plus ce que je vous ai dit de ce produit-là. La semaine dernière, enfin les vidéos produits terminés d'avant, donc vous irez regarder. Là, du coup, c'est mon avis tranché, terminé, parce que du coup, vous voyez bien que le produit est terminé. Alors, pour mon avis tranché, terminé, l'odeur, c'est pas ouf. Donc, je rappelle, parce que j'ai même pas dit ce que c'était, c'est de chez Adopt, donc le sérum éclat ultra hydratant, 100% bio. Donc, hydratant, oui. Ça hydrate bien la peau, c'est super bien. Moi j'ai un problème avec l'odeur. L'odeur, je peux pas, ça sent trop mauvais. J'avais juste une hâte, c'est de changer de produit. Je l'ai terminé parce qu'il fallait bien le terminer. Et bien, tant que mal, je l'ai terminé. Il a dû me durer 3 semaines. Pour être honnête avec vous. Tout simplement parce que j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé la texture, ça hydratait bien la peau. Mais non, j'ai pas du tout aimé. La pipette est nulle à Yesh. Ça prenait rien du tout. Tu mettais une pompette, t'avais rien du tout dans la main. T'étais obligé de mettre trois pompes pour que t'aies ce qu'il faut dans la main. Voilà, à la fin, je me suis. Ouh, j'en fous partout. À la fin, je me suis pas emmerdée. J'ai fait top, top, top comme ça là. Je m'en étais mis une tonne dans la main, mais c'est pas grave. Voilà, ça m'a fait mes mains et mon visage. Voilà, franchement, j'ai détesté ce produit-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une tonne à la fin parce que j'en pouvais plus. C'est bien ce qu'ils font à Dope de refaire du make-up, enfin pas du make-up, mais du skincare. Mais non. Non, non, et non. Voilà, j'ai pas aimé. Donc voilà. Malheureusement, je vais pas mettre dans mes produits favoris parce que je n'ai pas aimé. J'aurais bien voulu mettre dans mes produits favoris parce que c'était la première fois que j'ai testé ce produit-là. Mais non, il ira pas du tout dans mes produits favoris. J'ai pas aimé du tout. Je me suis même tâtée à utiliser la moitié, vous le montrer dans mes produits terminés et le donner. Voilà, la prochaine fois, je sais ce que je ferai parce que là, finir des trucs que j'aime pas, c'était pas oufissime non plus. Ensuite, du côté déodorant, j'ai fini le Nivea en bille comme ça. Donc, c'est le Nivea 48 heures, donc le Pellar e-Beauty. 48 heures protection. Celui-là, je l'aime bien. Vous voyez, il est terminé. Ah donc, ça, franchement, c'est une valeur sûre. Je rachète à chaque fois. J'adore. Et j'adore. Et voilà. Donc, ça, j'aime beaucoup. Je rachèterai évidemment. En ce moment, j'ai un produit en spray. Ensuite, j'ai terminé une bougie Yankee Candle comme ceci à la vanille. Ça, j'adore. On en entend beaucoup beaucoup parler au niveau des youtubeuses. Oh, c'est trop bien, Yankee Candle, machin. Donc je me suis dit, ça fait un moment que je voulais tester. Donc j'ai testé. Et au final, j'adore. Donc là, c'était la saveur, la fragrance vanille. J'aime beaucoup. Ça diffuse bien. Je me suis dit, putain, c'est cher au début parce que c'est quand même 13,90€. Je me suis dit, la vache, c'est grave cher. Je me suis dit, putain, mais. Enfin voilà, c'est trop cher. Mais en fait, au final. Ça diffuse bien, ça met quand même du temps à se consumer. Donc franchement, au niveau du prix, ça va. Au niveau prix et heure de combustion, ça va. Donc franchement, ça, je rachèterai. D'ailleurs, j'ai racheté une bonbonne, petite bonbonne et une moyenne. Parce qu'elle était en solde et en gros, la moyenne, je ne l'ai pas achetée du tout. J'ai eu gratos, en gros. Ensuite, on va terminer avec 4 petits produits et on aura terminé. Donc on a un petit parfum comme ceci que j'ai détesté et que je ne rachèterai pas. Donc c'est le jardin de monsieur. Le jardin de monsieur. Ça pue, ça sent mauvais. Je ne rachèterai pas, je ne vous conseille pas. Ensuite de chez Jabuche. Donc c'est un sérum comme ceci en format 15 minutes. Donc ça, il m'a duré une éternité. J'ai deux sérums, hein, mais parce que celui-ci, c'était le sérum que j'avais dans la trousse de. Que quand je vais chez mon copain, j'ai une trousse spéciale pour là-bas et j'ai une trousse spéciale pour chez moi. Et j'ai bien aimé, oui et non. C'était sous forme de sérum, mais en crème.
J'ai pas trop aimé l'odeur. Donc voilà, pas oufissime. Donc je rachèterai pas. Ça, j'ai vu ça à Noz et je ne rachèterai pas du tout. Ensuite, un petit échantillon de chez Chanel. Donc c'est une crème, la Lift Crème. Lisse, raffermie. Ça, je peux pas vous dire parce que je l'ai utilisé que deux fois. C'est un format de 1 ml. Sympa à tester, mais voilà, je sais pas si c'est fait, si c'est très bien pour la peau ou non. Donc je ne sais pas, mais je rachèterai pas. Et ensuite, le Dali Concept. Donc c'est ceci. Donc c'est un savon. Donc c'est comme un savon, c'est un carré. Il y a côté exfoliant et côté non exfoliant. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais pas comme ça sur ma peau. Je mettais sous l'eau, je frottais, je mettais le savon dans ma main, je frottais, je frottais, je frottais pour que ça me fasse de la mousse. Et après, je mettais ça sur mon visage. C'était plutôt bien. Si vous voulez avoir un nettoyant économique, prenez ceci qui est en sous forme dure, galet quoi. Mais sous forme savon et ça va vous durer beaucoup plus longtemps que les nettoyants en mousse ou en liquide. Donc franchement n'hésitez pas. Moi c'est le deuxième que j'utilise. Je me suis tâtée à l'utiliser et en fait je l'ai utilisé et au final je suis quand même contente d'avoir utilisé. Il n'y a pas forcément d'odeur donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà. Donc du coup j'ai terminé ma vidéo de mes produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!